que le quotidien du vendeur, c'est l'échec. Même quand vous prenez un bon prospecteur, par exemple, il va réussir à convertir sur une centaine d'entreprises qu'il va appeler, peut-être 10 ou 15 en leads vraiment qualifiés. Il va peut-être prendre plus de rendez-vous, mais après le premier rendez-vous, certains vont lui dire non. Après la qualification, certains, il va se rendre compte qu'ils sont pas assez qualifiés, etc. Donc déjà en prospection en B2B, si uniquement 10-15% des entreprises totalement froides que vous allez appeler, vous allez réussir à transformer en leads plus ou moins qualifiés. En vente, en B2B, le taux de closing, si c'est de l'inbound ou de l'outbound, en fonction de la taille des deals, ça va aller de 10-15% à 30-40% max, aller 50% dans des cas extrêmes et exceptionnel. Mais si on prend la moyenne qui est de 15-20-25%, c'est-à-dire que l'écrasante majorité du temps, le commercial ou le prospecteur fait son travail à 200%, il donne tout ce qu'il a, il donne toute son énergie, tous ses arguments, il est à fond dedans, et 4 fois sur 5, voire plus, il va avoir un échec en face de lui, un prospect qui va lui dire non, voire un prospect qui va pas lui répondre, ou qui va le faire courir pour des raisons qui ne valent rien pendant des mois et des mois pour à la fin aller nulle part. Et pareil, pourquoi il faut un mental d'acier absolument, c'est qu'il faut être capable de se donner à 400% dans chaque vente. Sinon, il n'y en a aucune qui marche, tout en sachant qu'on va se donner à 400% et que dans 80% des cas, de toute façon, toute cette énergie va partir à la poubelle et ne servira à rien parce que le deal ne va pas closer ou le prospect ne va pas être intéressé pour prendre le rendez-vous, etc. Donc, c'est extrêmement dur. Et c'est pour ça que ça ressemble autant au monde du sport. C'est que dans le sport, n'importe qui est sur le terrain ne mettra pas toutes les balles au fond de la cage ou du panier. Mais pour autant, il doit se donner à fond dans chaque tentative. Et ben là, c'est pareil en tant que commercial, à la différence que dans le sport, on sait très bien que c'est comme ça, alors que quand on est en sales, parfois on est un petit peu pris de court et on commence à se remettre en question, ou alors on commence à perdre sa motivation et ses déterminations. Parce que quand on fait un échec, deux échecs, trois échecs, quatre échecs, cinq échecs, et ainsi de suite, parfois il y a des séries noires comme ça, c'est très compliqué de rester à 100% confiant en soi, dans le produit, dans le marché, dans notre capacité à vendre, etc. Et pour autant, il faut, parce que si on n'en est pas convaincu nous-mêmes, aucun de nos prospects qui sera convaincu à notre place. Et on a besoin d'être convaincu pour être convaincant. Donc il faut être capable d'aller d'échec en échec tout en restant extrêmement convaincu pour pouvoir au moins être convaincant, au moins une fois sur cinq. Sinon, c'est carrément 0% qu'on va faire et non pas 10, 15, 20%.